le nouvel entraîneur du Real Madrid qui pose en famille. El nuevo entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Ancien meneur de jeu, champion du monde et champion d'Europe, Zizou passe au premier plan en tant que coach. D'abord, je veux remercier le club et vous, président, de me donner la chance d'entraîner cette équipe. Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde. Ce que nous devons faire maintenant et ce que je vais essayer de faire, eh bien, je vais tout faire pour que cette équipe, d'ici la fin de l'année, gagne quelque chose. Juste avant, le président du club, l'emblématique Florentino Pérez, annonçait sa nomination et le limogeage de Rafael Benitez. Aujourd'hui, nous avons pris une décision très difficile, spécialement pour moi, de mettre fin au contrat de Rafael Benitez en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Je veux être clair, nous sommes devant un grand professionnel et une personne magnifique. Une personne magnifique, mais qui n'a gagné aucun titre en 2015. La nouvelle année n'a pas mieux démarré pour le Real, avec un match nul à Valence dimanche soir. La mission de Zidane, sauver le club d'une deuxième saison blanche d'affilée. Un baptême du feu pour l'ancien numéro 10 français, qui en novembre disait ne pas se sentir prêt à franchir le pas. Aujourd'hui, en fait. Pourtant, Zizou est le candidat idéal. Entraîneur de l'équipe réserve, il est opérationnel immédiatement. Ancien joueur du club, vainqueur de la Ligue des Champions en 2002. Il est adulé des supporters comme des cadres du Real Madrid.